Objectif mis à jour, entrer dans la maison médicale San Cristobal. Et bien, on va aller voir ça tout de suite. Et à mon avis. Oubliez la porte, les marshals ont tout verrouillé. Passez par le Ouais. conduit d'aération. Conduit d'aération, ok. Il nous faut le trouver. Donc. Ce fameux conduit. Donc, on vient de là. Ça devrait pas être si difficile à trouver, hein. Peut-être pas. Ok, là on a de ça. Ah, il est là, le conduit d'aération. On y est. C'est juste au cas où, ouais, bien sûr. Faut pas être bourré, hein, pour jouer. Pour monter les échelles dans le jeu. Je vais volontairement pas mettre la lumière pour que vous ayez peur du noir. Voilà, c'est fait. Bim. Salut. Nounou. Ah. On est dans une aile médicale. C'est déjà ça pour Taylor. Alors, synthoniseur, carte d'accès. Évidemment, ça aurait été trop facile. Alors, Welcome Area, donc zone d'accueil. On va dire ça comme ça. Pas vraiment, c'est notre meilleur jour. Je vois. Porte fermée, ok. Principalement, il y a des portes fermées partout. Et encore une fois sauvé. Hein. Ce serait quand même dommage. Bon, pour le moment, il n'y a plus vraiment de signe de l'extraterrestre. J'espère en tout cas que ça va pas être le cas. Ah, il y en a un là. Salut Coleman. Ripley, je cherche un médecin. Bah viens. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide, de matériel médical. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Super. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas, au dispensaire de l'hôpital. On y va comment? Comment ça, vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin? Écoutez, j'ai besoin de votre aide et vous de la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche? Le code? Exactement. Je peux vous guider d'ici, si vous voulez. Morley ou Wingard devait sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morley. C'est donnant-donnant. Bah ça, bravo quoi. La solidarité. Bon, je vois qu'une écoutille, donc on n'aura pas le choix. Il va falloir se faufiler dans cette fameuse écoutille. Bon, pour le moment, ça va. Là, c'est bon ça. Voilà. Sésame, ouvre-toi. Alors ici, on est où? On doit être... Là, il y a une carte d'accès. Enfin, pas une carte d'accès. Hein. Une plaque d'identité, pardon. Voilà, j'arrivais plus à trouver le terme. On y est. Ok, où sommes-nous? Salle d'examen. Tiens. Là, ok. Actualiser la carte, on y est. Donc, on peut voir sur la... Voilà. Le carré, on va dire, le cube noir dans un losange, c'est une actualisation de la carte au niveau des légendes de la map. Mais bon, je pense que vous avez compris déjà. Alors, bon là, le levier, on peut aisément le faire tranquillement. Hein. Ok. Où sommes-nous? Que devons-nous faire? Trouver le bureau de Morley. Ok. On va... Je pense qu'on va revenir en arrière, là. C'est pas ça, le concept? Si. Ok. On vient de retrouver notre castard. Et c'est à nous de nous débrouiller encore une fois dans ce dédale. Elevator. N'a pas de courant. Ah, là il y a une carte. Voilà. Ok, on peut toujours actualiser cette carte, cette fameuse carte. Alors ici, qu'est-ce qu'il veut? Carte d'accès. Ok, donc il nous faut, à mon avis, déjà trouver cette carte d'accès. Mais comment? Ok. Donc, si je suis bien le truc, comme ça, on monte à la salle d'examen, on se faufile, on va là.
on passe par ici. Et alors, on découvre le bureau de Morlaix. Allez, bon, on va peut-être éviter de courir, on ne sait jamais. Ce serait dommage de perdre la vie dans de telles circonstances. On accueille, voilà. On va faire les choses dans l'ordre. On va surtout essayer de trouver son chemin. Vas-y, ton chemin. Voilà. On va passer ici. Là, pour le moment, on est sur le bon chemin. À ce que je pense, en tout cas. À ce que je pense être. Ah. Ok. Bon. Ok. C'est pas par là. C'est donc par là. Et on va se retrouver dans la pièce avec le docteur Smargul. Bien ça. Bon. Et ici. Aile psychiatrique. Porte fermée. Contrôle d'urgence. Ok. Voilà. Il suffisait d'appuyer simplement sur le petit bouton. Allez. Faut qu'on travaille en équipe. Ouais, bien sûr. Mais à deux secondes, tu me lâchais comme un autiste. Alors. Welcome Area à gauche. Tout s'allume. Bon, il y a des... Qu'est-ce que c'est que ça dit ? Ah, on a un point de sauvegarde ici. Et où ? Juste où aller, ici. Ouf ! Vous tracassez pas, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus là. Non, je suis pas en flip. Il va falloir trouver ce fameux code. Qui va se trouver... Je ne sais où. Ah. Non, non. Voilà, mot de passe requis. Vous voyez ? Donc... À droite, ici. C'est ça. C'est dans ce couloir. Ouais. Bon. Seigneur consultant, c'est bien ça. Utilisez le synthoniseur. Bon, jusque-là... On y est. Dans ce fameux local. Moi, j'espère. Maintenir pour se cacher. Certainement dans le terminal. C'est le terminal qui va pouvoir nous sauver. Utilitaire, non. Personnel. Allez. Ouais. Voilà. 1702. Bon. Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morlaix l'a gardée toujours sur lui. D'accord. Trouvez-le. 1702. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détectée. Attention, détendez-vous, violation de la quarantaine bon, du centre médical. En attendant, restez concentré sur la recherche de la carte d'accès. La fameuse carte d'accès. Trouver la carte d'accès du docteur Morley. Ok, bon. Et nous, on sait très bien ce qui se passe. Il y a un problème de quarantaine, mais on sait exactement ce qui se passe. Hein ? C'est cette fameuse saloperie qui est de retour. On est bien. Bonjour. Voilà. Il n'y a plus qu'à se cacher. Et attendre simplement qu'elle se casse. On va ramper. Ouais, il nous a pas vus. Il cherche après nous et bien sûr il va exactement à l'endroit où on doit se rendre. C'est pas génial ça? Elle est pas belle la vie? On va aller par là. Ah ouais, vous l'avez vu? Il est là je crois. Voilà, il est là quelque part. Il est droit devant nous en fait. Il est droit devant nous. Il est où? Non, il s'est barré. Ok. Bon. On est sauvé pour le moment. 1702, on avait dit. Hein. Mon Dieu. Je sais plus mettre le chiffre dans le bon ordre. Aidez-moi. Oh oh. Alors, vous avez vu quand même, l'alien, il est très fort. Hein. Il passe d'un côté à l'autre. Voilà. Mais... Ce qu'on doit quand même retenir au final, c'est qu'il est toujours dans notre chemin. C'est quand même fort ça quand même. Alors, un Undochi Doctor. Donc, docteur en
Il n'y a rien du tout. Pas d'ordinateur, pas de choses à prendre. Ah, on a un extraterrestre ici, bien évidemment. Alors, sur la gauche, c'est par là. Staff, quartier des staffs, du personnel, je devrais dire. On va faire ça. Et je devrais... Alors, voilà, on y est. Qu'est-ce que... Morley. Fouiller la salle des tournées du docteur Morley. Ok, bon. Quel sacré foutoir ici. Bon, on va actualiser la carte aussi. Là, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que vous l'avez vu passer? Sur ton chemin. Non. Émetteur de son. Ah. Un schéma. Ce qui est pratique pour faire arriver la bébête, on va y arriver, à un endroit prévu. Ok. Donc il va falloir que j'ouvre cette fameuse porte. Vous l'avez vu, je ne sais pas encore comment, mais c'est ce que je vais devoir faire en tout cas, mais c'est ce qui va arriver. Donc à gauche et puis à droite. On n'a rien. Pour le moment, c'est très bien. Alors, 1702, on remet la même. C'est un truc de fou. Je dois être dyscalculique parce que... C'est un truc de fou. J'arrive pas à le placer, celui-là. Alors. On va se cacher. Voilà. On était bien trop près de l'ennemi, je pense. À moins que ça, c'était pas l'ennemi. Non, il n'y a plus personne. On va pouvoir sortir. Discrètement, par contre. Ça aurait été bien. Là, il y a un truc pour rerouter. Peut-être qu'il y a moyen de rerouter les portes avec ça. Je ne sais pas du tout. Accès à la porte, c'est bien ça. Éclairage, ouais, système d'arrosage. Bon. Je vois pas le concept d'arroser la porte, mais bon. Alors ici, taper le mot de passe, ok. Plaque d'identité, mine IEM, ça. Ok, il reste à distance constante. C'est déjà ça. Oh oh. Yes, yes, il a fallu que je dise ça pour qu'il arrive. Et on va se cacher. On va pas prendre de risque. Je sais pas du tout d'où il peut surgir, donc on va simplement attendre qu'il s'en aille. Et bien sûr, il n'y a plus personne. 1702, on avait dit, hein. Ok, bon. Là. Ah d'accord, on est à cette porte-là. Il faut que j'arrive par là, je pense. J'espère que j'ai pas oublié un truc. Ça pourrait me poser préjudice. J'espère que ça le fera pas. Bon.
va les sauvegarder. J'espère que je vais pouvoir le faire tranquillement. Ah ah. Je me demande s'il n'y avait pas un ennemi trop près. Bon. Non, pas d'ennemi. Alors, ici. Pas du tout. À mon avis, j'ai dû rater un truc parce que j'ai comme pas l'impression que c'est par là. Pardon, je suis désolé, Ripley. Tu peux pas me laisser entrer avec une chose en coin. Allez, le diable, Cullman. Et donc, il va falloir que je trouve une alternative, c'est-à-dire, tiens, par ici, qu'est-ce que ça donne? Ok, bon, fumigène. Il n'y a rien de spécial hormis une zone d'alitement. Je vais pas rerouter tout ce qui bouge quand même, hein. Copain, il est là. Et bien sûr, moi je suis pas prêt et je vais me faire bouffer. Super, il a disparu. Ouf. Quel grand soulagement. Marrant. Ça nous amène toujours à ne pas savoir par où il faut aller. On va se lever un petit peu. À mon avis, j'ai dû... Oh, oh, ben je suis mort. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Bon, le fait qu'il se pointe juste devant moi, personnellement, ça m'a pas aidé. Salut, Alien. M'a pas aidé du tout. Bon, on va retourner. On va recommencer la sauvegarde actuelle. Et pourquoi la précédente? Tout simplement parce que ça m'est arrivé déjà une fois de sauvegarder tout simplement et trop proche de l'alien. Ce qui a généré en fait un gros problème. C'est qu'en fait quand je revenais dans ma partie, l'alien m'attaquait directement. Ah. Donc voilà pourquoi je vous explique ça. Donc sauvegarder régulièrement, ça peut être bien, mais finalement, c'est pas toujours top. On va prendre la carte qui est là pour l'actualiser. Alors, ah ouais, c'était donc bien ça. C'était le fameux couloir ici que j'avais pas pris. Et j'avais pas pris la peine, on va dire, d'aller jusqu'au bout. Ce fameux couloir-ci, voilà. Et en fait, qui m'aurait mené tout droit à l'endroit. Non, bon, on revient. C'était pas le bon. C'est parfois compliqué, hein. Donc à droite et plus directement à gauche. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà, je me suis trompé. C'est lui qui m'aurait amené à mon objectif. Alors, bombe tuyau, ok. On va sauvegarder ici. Voilà, sauver la partie, c'est bon. On va regarder aussi maintenant comment... Parce qu'on a... Oh, j'ai oublié de sauver. On a eu une paire de schémas, donc on va pouvoir regarder au pire des cas pour créer des affaires et pour évidemment ne pas ramasser plein d'affaires pour rien. Allez, je vous propose qu'on aille faire un petit tour ici. Alors, pack de recharge, c'est bon. Détecteur, c'est bon. Et un genre collant.
Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Ok. Ça, c'est fait. Bombe tuyau. À quoi elle fonctionne? Le bombe tuyau est un engin explosif qui expose un impact. Elle est mortelle pour les humains et synthétique non industriel. Bien. Ça nous permettra de pouvoir se protéger. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de spécial? Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Non. Non, un code? Non. Bon, tout ce qu'on avait, c'était un point de sauvegarde ici dans le dans l'espace. Bon, au final, on va pas s'en plaindre. C'est ce qui va continuer à nous faire progresser. Ça, j'aime pas trop. Parce que l'alien n'est pas loin, il me semble. D'accord, je vous le disais. Il est juste au-dessus de moi. Et je pense qu'avec toutes les portes que j'ouvre, il va se pointer, mais fait maison. Alors. Ok. Bon. Bon, alors, quand je vous le disais, on va attendre. Je pense qu'on n'a pas le choix, de toute façon. Ben, il s'est barré. Ah non, ah si, ouf. Alors, je dois fouiller toutes les salles de tournée. C'est ce qui va être marrant, tiens. On va pouvoir les faire une par une. Et, bien évidemment, toujours se mettre en danger pour une simple carte d'accès. Carte magnétique, lol. Bon, ah bah ça c'est du bol. Génial. Utiliser, non, j'aurais peut-être pas dû utiliser le bazar. J'ai fait une connerie, je crois. C'est pas grave. On va retourner auprès du docteur Coolman maintenant. Ouais. Ouais, on va faire ça. Et on va aller prendre le couloir directement ici. Et je pense que je vais avoir un problème. Ouais, il est sur le côté. Ça va. On va aller prendre ici sur la gauche et sauver. Encore une fois, désolé. Je suis un peu parano. Mais chaque petite avancée est bonne à prendre parce qu'après, on finit par peut-être le regretter quand on finit par mourir. Hein. Voilà. Ouf. Et au final, ça nous permet d'avancer un peu plus sereinement dans l'aventure. Ok, donc c'est bien ça. Première à droite. Première tout droit. Ok. C'est moi, je l'ai vu là. Bon. Alors là, j'ai aucune idée de par où il faut que j'aille. Peut-être par ici, mais je pense pas parce qu'il y avait un problème de sécurité. Peut-être qu'il va me laisser passer maintenant. Non, c'était pas... Au moins, j'y ai cru. Ça au moins le mérite. Bon, il va falloir faire le grand tour. Ce qui fait vraiment mes affaires, je vous le promets. On se balade et on essaie de faire le moins de bruit possible. Ah, ici, je crois que c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Et là, je vais devoir donner... Enfoiré ! Vous voilà. Saviez que cette chose était ici ? Non, c'est faux. Je pensais qu'elle pouvait être la nuance. 1702. Vous avez le code ? 1702. C'est bon ? Maintenant, on descend au dispensaire. Oui, bien sûr. Une promesse est une promesse. Navré de vous avoir fait endurer tout ça. Je vais aller dans l'autre salle pour saisir le code et démarrer l'ascenseur. Ensuite, on pourra utiliser la carte d'accès pour descendre au dispensaire. Quelque chose me dit... Ça va pas se passer comme il faut. Alors, retourner auprès du docteur Coolman. Coolman... Ok. Peut-être par ici. Ouais. Là, je vais ramasser mes affaires et nous pouvons partir. Hum.
Ah, il y a un point de sauvegarde là-bas sur la droite. Oh oh, coucou. Salut, nounou. Toi, t'as pris cher. Ah ouais, prendre l'ascenseur pour atteindre la... Je panique. Bon, je vais sauvegarder ici, déjà. Je sais pas si c'est une bonne chose de revenir sur mes pas, alors qu'il y a 12 secondes, il y avait un extraterrestre, un alien. Je vais y arriver avec cet extraterrestre. Hein. Oui. Non. Bon, déjà au moins, l'épisode Coolman est réglé. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, ok, l'ascenseur, il est ici. Et je pense qu'on va pouvoir le prendre, j'espère, oui. Ah, utiliser la carte magnétique, merci. Et soins primaires. Ouh. Trouvons un kit d'urgence. Là, ça va être folklorique aussi, bon. On a des objets. Tranquille. Le chat. On va voir si on est... Non. Il n'y a pas de d'amorce. Pas encore. Porte fermée. On peut toujours s'y attendre. Ah, on va devoir certainement passer dans ce petit truc. Ouais, et voilà. Ah. Non, fermé aussi, c'est génial. Ah, un taser. Ça me plaît. Je sais pas. Dans le menu radial, ok. Rétablir le courant, ok. Ça me plaît, tiens. Porte fermée. Je sais pas si j'avais déjà sauvé ici, mais on va le refaire une énième fois. J'espère en tout cas que vous passez un bon moment en ma compagnie. C'est Nigel pour un clic en trop. Et si vous avez peur, n'hésitez pas. Trump, à ce jour-ci, est président, c'est normal. À tout ce qu'il faut pas. Un détecteur, je vous avais dit. Non. Si. C'était une amorce. Alors. Chercher l'amorce. Voilà. Je l'ai. Alors. Bombe tuyau. Fabriquée. Voilà, on peut la fabriquer maintenant. Au final, on a quand même du matériel pour pouvoir contrer, peut-être pas l'alien pour le moment. Ok, contrôle environnementaux, audio, non, il n'y a pas d'audio. Ah, là, système de réfrigération. Ouais. Déclencher la réfrigération. Et déclencher la réfrigération. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert et pourquoi. Taylor est blessé, dénicher un kit d'urgence et ramenez-le à la station. Ok. De l'autre côté, il n'y a rien du tout. Non, il manque un truc. Génial. Ah, verrouillé. Ok. On va devoir s'amuser à aller chercher ce truc manquant. Bon. Il serait où ce truc manquant? C'est là que ça va être génial. Rétablir le courant. Ah, là on peut. Là, on parie. Voilà. Là, notre pièce manquante pour le prochain truc ici à gauche. Pour ouvrir l'autre porte. Bon. Je sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais en tout cas, voilà. Engager. Maintenir pour se cacher. On va peut-être aller se balader justement dans ces chambres, voir ce qu'elles peuvent nous apporter et nous donner. Bon, on peut fouiller aucun corps. Sébastopol, hangar, clou. Ok, bon. En fait,
fait, je viens de comprendre, on est dans une morgue. J'avais pas compris tout de suite. La réfrigération. C'est vrai que dans un sens. Alors, cold chamber, voilà. Si j'avais lu, j'aurais pu vous dire tout de suite qu'on était dans la chambre froide. Super, j'ai toujours adoré me taper des macabées. À mon avis, ici, on va devoir désactiver. On va. Ah, voilà. On va activer, désactiver la purification et on va le conduire. Samuels, il y a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. On va les sauver. Donc on est à côté. C'est dommage, hein, mais... Parce qu'après, en fait, le problème, c'est que est-ce qu'on va avoir un point de sauvegarde assez vite pour dire de ne pas perdre tout ce... toute cette progression. C'est là la grande question et le... Et tout le dilemme du jeu, c'est pas l'alien. C'est de savoir les points de sauvegarde. Où se trouve-t-il? Et est-ce qu'on va perdre beaucoup en cas de mort? Beaucoup de progression, hein. J'entends par là. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de sauvegarder assez régulièrement. Peut-être trop régulièrement à vos yeux. Mais ça m'évite aussi de devoir recommencer 10 fois la même séquence. Tout simplement. On y est. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Chercher. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on cherche? Fouiller le bureau de Lingard. À mon avis que le... Non, ça aurait été trop easy. Bon. Alors, Staff Galley. On va essayer de voir, faire un tour ici. Un seigneur médical officier. Ouais. On y est. Tout simplement. Là, on a une actualisation de map, la mini-map. Et à mon avis, qu'on a un utilitaire, voilà. Sélectionne. Ici Lingard, officier médical supérieur de Sébastopol. Je voudrais que ce soit bien clair pour les archives. Notez qu'on m'a mise sous la contrainte au sujet du patient zéro qui était infecté. Ransom, le chef d'opération de Sixon, il a proféré des menaces envers ma carrière et ma formation. Notez bien ça. Mais je vous jure, cette femme avait besoin d'aide. J'ignorais à quelle sorte de parasite j'avais affaire, mais il avait planté quelque chose à l'intérieur d'elle. Je suis tellement navrée. Mais je ne pouvais vraiment pas savoir ce qui allait se passer. Ok, on a donc notre point de départ de l'infestation alien, elle vient d'ici. On va pouvoir aller explorer la maison médicale, donc il faut absolument encore chercher ce kit de soins. Au bloc opératoire maintenant, ok. Bon. Ça j'aime pas ça. Non, ça va. Se maintenir pour cacher, donc pour le moment on n'en a pas besoin. Plus que ça, poste de sécurité, à mon avis, là il y a une porte. Là, à mon avis, on va devoir faire ça. On va avancer. Oh putain! C'était par là, normalement. Par où on va passer? On va devoir faire le tour, en fait, tout simplement. On va chercher. C'est pas par ici. À moins qu'il y ait... Non, il n'y a pas une évacuation ici. Non, c'est dans notre dos. Et c'est par là. En fait, ça nous oblige simplement à faire le tour. Ce qui n'est pas vraiment contraignant en soi. Bon. Peut-être que si, en fait, au final. Ouais, bon. Ok. Poste de sécurité. Carte d'accès requise. Ouais. C'est donc par ici qu'il faut.
security, donc à mon avis c'est ici qu'on va la trouver. Et je vais bien entendu sauvegarder, me hâter de sauvegarder. Et à mon avis, c'est le terminal qui va me permettre de passer cette porte. Utilitaire, voilà. Ah non, ok. D'accord, mise à jour et code, ok. 2505, on disait. Hein. Les visiteurs sont priés de ne pas fumer. Voilà, comme ça au moins on a un code de plus au cas où. Verrou. Ouais. Donc maintenant, on va pouvoir... Bah passer parce qu'on a coupé les valves, c'est bien ça, hein. Mais je me rappelle plus du tout. Ok. Je me rappelle plus du tout où c'était. Bon, c'est pas grave. On va marcher doucement. Je pense que c'était par ici. Ouais. Et en fait, au final, j'ai fait le tour de la pièce. Pareil. Bien joué, Naiden. C'est exactement ce que tu viens de faire. Bon, c'est pas grave. Poste de sécurité. J'eus espéré qu'il y avait mieux que ça. Et à mon avis, ici à droite, tiens. Pourquoi il me signale qu'il y a quelque chose en face de moi alors qu'il n'y en a pas? Bon, c'est pas grave. Tant qu'on est là, on va re-sauver à nouveau. Bon. Ah mais il y a un objet ici à côté. Tiens, j'ai...